Cette année, l'amour dure 3 heures dans Love in Fun. Une heure de plus pour parler d'amour. Une heure de plus pour parler de sexe. Et surtout, une heure de plus en toute intimité avec Alice avant l'arrivée de Karel et Doc. Salut Alice. Coucou Alice. Salut Alice. Hey, salut Alice. T'arrives quand même à suivre avec tous tes messages que t'as sur WhatsApp. Je suis en face d'un gros dilemme. Rappelle-moi vite, histoire de te raconter en live ce qui s'est passé. Hey, y a du gros dans ce gars. Toute la journée, vous avez laissé vos messages sur le WhatsApp d'Alice. Chaque soir, Alice débrief avec vous. 21h, 22h, c'est la story d'Alice dans Love in Fun. Sur Fun Radio. Il est 21h et c'est le retour de Love in Fun sur Fun Radio après 2 jours de week-end. C'est toute l'équipe qui débarque jusqu'à minuit. Alors, on débarque pour passer le dimanche avec vous. On finit le week-end avec vous parce que c'est comme ça que ça marche avec Love in Fun du dimanche au jeudi de 21h à minuit. Moi, je m'appelle Alice et là, pendant une heure, c'est la story d'Alice dans Love in Fun. Une heure de bonus avant l'arrivée de Karel et Doc qui débarquent de 22h à minuit. Alors, venez parler avec moi parce que pendant une heure, on est en toute intimité sur Fun Radio. Il n'y a pas de standard. Il y a uniquement mon numéro de téléphone, mon numéro de WhatsApp, c'est le 06 30 06 66 66. Alors venez me raconter un peu votre week-end, me poser toutes vos questions, ça se passe en note audio sur mon WhatsApp. Et tous les soirs avec moi dans l'émission, il y a Coco. Ça va Coco? J'ai passé un putain de week-end, ça va de ouf, ouais. T'as fait quoi toi? J'étais avec ma meuf, on est allé dans un château. Ah oui, c'est vrai, le fameux cadeau d'anniversaire, c'est ça qu'elle t'a offert pour tes 24 ans. Et alors ça y est, t'as découvert le château, c'était vraiment si ouf que ça? Bah j'ai fait le mec, il y a des gens qui te servent, tu prends des plateaux repas dans ta chambre, tu vas manger dans des restos gastronomiques. Oh là là. Et puis j'ai acheté une petite bouteille de vin à genre 160 balles. Quoi? Mais pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, je me suis laissé avoir par le vendeur. Mais en fait, tu gagnes vachement bien ta vie, Coco. Bah, c'est ça en fait. Là, ça va être galère. On est le 11, je suis en galère, ça y est. Mais t'as passé un bon week-end. Mais au moins, j'ai kiffé, tu vois. Moi, j'ai été bloquée en dehors de chez moi. Tu vois, c'est-à-dire que je me suis enfermée. Là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, juste avant de débarquer à la radio, j'ai une porte qui claque en fait. Ouais. Et si t'as pas les clés, et je suis sortie. Et j'ai claqué la porte et je me suis retrouvée enfermée. J'aurais pu être enfermée juste à l'extérieur de chez moi, sauf qu'en fait, il y a un hall d'entrée et il me faut une clé. Donc j'étais en fait enfermée dans un sas. Il y a plein de fenêtres en plus. Oui, c'est ça. C'est plein de miroirs. Ça fait pas flipper, non. Mais c'est vrai que du coup, j'étais enfermée complètement. Et là, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est oh mon Dieu, mon chat est bloqué à l'intérieur. Et s'il y a un incendie, s'il se passe quelque chose. Alors j'étais déjà en train de voir avec Max, le producteur, si on pouvait pas essayer de trouver soit un serrurier, soit une échelle pour péter une vitre, parce que c'est quand même moins cher que le serrurier de changer la vitre. Non mais c'est bon, j'ai un voisin qui a été sur le coup, on a réussi à ouvrir. J'ai libéré Romy qui ne s'est rendu compte de rien. Voilà, elle était exactement dans le même endroit. Non mais c'est vrai, parfois t'arrives des délires à la con comme ça. Bah si ça vous est déjà arrivé d'ailleurs de vous enfermer comme ça à l'extérieur de chez vous et que vous avez fait toute une mission pour pouvoir rentrer chez vous. Non, parce que parfois il y en a qui se disent oh non, je vais pas payer je sais pas combien avec le serrurier et tout. Donc tu te retrouves à escalader, à péter des trucs. Ah non mais si ça vous est arrivé, faut absolument me le raconter en message vocal sur mon WhatsApp, c'est le 06 30 06 66 66 et vous entendez cette magnifique musique. Bah c'est Justin à l'AREA. Bonsoir. Tous les soirs, mais ça. Salut. Ça va, Justin? Ça va super. On écoute quoi ce soir? Le nouveau Dua Lipa. Ce soir, dans la story, il y aura aussi Two Colors et Loveful. Tous les soirs entre 21h et 22h, on se régale avec un classique de Fun Radio. Et ce soir, ça va être Licky Lee avec I Follow Rivers. D'ailleurs, si vous voulez aussi choisir le son de la soirée, parce qu'en fait, on se fait kiffer. Hein. C'est vraiment la playlist de la story d'Alice, ma playlist à moi. En fait, c'est les sons coup de cœur qui me font vraiment kiffer sur Fun Radio. Et puis, on se fait quand même vraiment des kiffs avec des classiques comme ça. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, vous pouvez choisir le morceau de la soirée. Et je vous en parlais, justement, tout se passe sur mon WhatsApp. On a créé vraiment une grosse, grosse communauté. Et toute la journée, même encore là, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours, j'ai reçu plein de messages audio. J'adore la story d'Alice. Je suis aussi fan de toi que de Scarlett Johansson, Mila Kunis. T'es rentré dans mon top des plus jolies filles de la Terre, tout ça. Enfin, voilà. C'est ça. Je suis fan de toi. Alice, je suis désolée, t'es excellente dans tous les domaines, mais on ne dit pas à peu près. Ah ouais, j'ai un gros problème. On dit à peu près. A accent grave, peu, P-R-E accent grave, ouais. S.
à peu près, pas un peu près. Un peu près, ce ouais. n'est pas la même signification. Ouais, c'est vrai que j'ai des problèmes. J'ai pas compris. Non, mais c'est-à-dire que j'ai tendance à dire parfois, à chaque fois que je dis ce terme-là, j'ai tendance à le dire, mais en fait, dans ma tête, je dis à peu près, mais ouais. en fait, je le prononce un peu à, un peu près, un peu près. Mais on dit pas un peu près. Non, on dit pas un peu près, on dit à peu près. D'accord. Tu vois, c'est en effet. Donc rappel à l'ordre. Bah je ne vous le cache pas. Il y a pas que des suceurs. Hein. Il y a aussi des gens qui me recadrent. Hein. Ah bon, t'as pas le droit à l'erreur. Hein. Bah, c'est normal. On est en direct sur Fun Radio et puis c'est comme ça entre potes. Hein, on se dit les choses. Bah oui. T'as une salade entre les dents, un bout de truc machin. On se le dit. Et vous êtes les premiers. Franchement, vous êtes les premiers à me le dire. Ce soir dans l'émission, on va aussi parler d'un message que j'ai reçu de Shamila. Je fais un rêve très récurrent en ce moment. C'est le fait de tomber enceinte de ma cousine. Alors je trouve ça génial. Alors moi je fais toujours des rêves un peu chelous et le truc tomber enceinte de sa cousine, je trouve ça assez ouf. Justement, on va en parler ce soir dans la story d'Alice dans Love in Fun. Si vous voulez parler de vos rêves insolites, ça se passe aussi en message audio. Et puis on va même essayer carrément de trouver quelqu'un qui pourrait interpréter nos rêves. C'est jouable. Toi, tu peux nous trouver quand même comme quelqu'un. Parce que je le rappelle, hein, pas de standard pendant une heure. Coco du standard de Love in Fun n'a pas de boulot, donc la moindre des choses c'est qu'il nous trouve quand même le numéro de quelqu'un qui soit capable ouais. d'interpréter le rêve de Shamila qui se retrouve enceinte de sa cousine. On va aussi avoir des nouvelles de Maxime, qu'on connaît bien, qui, il y a quelques temps, nous avait envoyé ce message. Salut Alice, j'aurais aimé savoir comment aborder une fille à la salle. Je la trouve vraiment magnifique, mais j'ose pas aller l'aborder parce que j'ai peur de paraître bizarre, de paraître relou. Alors depuis, il y a eu du nouveau. Alors vraiment, j'espère, il s'est pas raté. Non, arrête, ne dis pas ça. Justement, on lui a donné plein de conseils. Vous avez été très nombreux sur mon WhatsApp en message audio au 06 30 06 66 66 à lâcher tous vos conseils. Dans quelques instants, on va appeler Maxime en direct pour savoir s'il a pécho à la salle de sport. Et c'est juste après Jason Derulo, Take You Dancing sur Fun Radio. Fun Radio, la story d'Alice. C'est un WhatsApp où on parle ensemble toute la journée. 21h, 22h. C'est la story d'Alice. Dans Love in Fun. Sur Fun Radio. On est ensemble jusqu'à 22h et tout se passe sur mon WhatsApp pendant une heure. C'est voilà, une heure en toute intimité avec moi sur Fun Radio. Pas de standard, uniquement mon WhatsApp et tous vos messages audio. Ça se passe au 06 30 06 66 66. Posez-moi vraiment toutes vos questions et puis vous pouvez réagir aussi. Justement, c'est ça que j'adore. Dès que quelqu'un passe dans l'émission, pose une question, et ben vous m'envoyez des petites notes vocales et on ouais. écoute justement ça pendant l'émission. Ça permet de conseiller tout le monde. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour Maxime. Salut Maxime. Salut la famille, Dominique, il va niquer la semaine prochaine. Oula, il en dit beaucoup. Ça allait trop vite. Ne dis pas tout. Maxime, 20 ans de Paris, tu nous as appelé justement il y a quelques semaines. Enfin, je t'ai rappelé il y a quelques semaines parce que tu m'avais laissé un petit message audio en me disant, bah en fait voilà, moi j'ai un petit crush pour une meuf à la salle de sport. On se fait des eye contact, mais je sais pas comment aller l'aborder. On t'a donné plein de conseils. T'as eu aussi plein de conseils de toute notre communauté justement sur le WhatsApp. Ce que je te propose, Maxime, c'est qu'on réécoute un peu bah, là où on t'a laissé il y a quelques semaines. Voilà. Et qu'après, tu nous racontes ce qui s'est passé maintenant, aujourd'hui, quelle est ta situation. Ok ? C'est parti. Mais je comprends, tu disais, t'as pas envie de passer pour le lourd. Moi, c'est pour ça qu'au début, je me suis dit, Max, franchement, pas sûr que ce soit le meilleur endroit pour l'aborder, ou du moins, plutôt quand elle arrive ou quand elle repart. Selon moi, ouais. je m'imagine, moi, en train de faire du sport ou quoi que ce soit. Ah oui, c'est ça, c'est sûr. Je suis pas là pour que les gens me regardent, pour que les gens se disent « Ah, elle est sexy, il y a un jeu de regard ». Et au contraire, je me dirais peut-être « Putain, je suis mal à l'aise ». En fait, on me regarde en train de faire des squats, le cul tendu et tout. Tu vois, enfin, parce que j'imagine que ça se passe comme ça. Donc, je me projette. On ça reste. Enfin, en tout cas, tu vois, j'ai posé la question aux meufs, Maxime, mais il y a déjà plein de messages de mecs qui arrivent. Donc, je me demande ce qu'eux en pensent. Salut Alice, moi, j'irai lui demander si ça la dérange pas que je m'entraîne à côté d'elle. Et puis, ce sera une bonne occasion pour démarrer la conversation. Quoi. Ne pas vouloir essayer de l'impressionner. En lui montrant qu'il peut soulever par exemple 100 kilos en développé couché ou quelque chose dans le genre. Bref, le meilleur conseil c'est ne l'observe pas au loin, ça ferait vraiment gros pervers en fait. Va lui dire et assume-moi. Je te promets, ne fais surtout pas l'erreur de l'observer au loin. on sent le vécu. Ouais. Ne fais surtout pas l'erreur. Le mec, on a porté plainte contre lui plusieurs fois à la salle de sport. Il rentre plus, ça y est. C'est ça. Et donc, ça, c'était l'avis des mecs et maintenant. On va écouter l'avis des meufs, parce que ce sont quand même les principales concernées. Lui demander juste à quelle fréquence elle vient à la salle de sport, quel programme elle fait, et lui dire que le programme en question qu'elle fait en séance de sport, eh ben, c'est vraiment idéal pour la partie du corps qu'elle souhaite muscler.
Bah, c'est ça. Elles sont malignes. Mais non, mais tu sais ça, tu lui dis, ah bah, si tu veux, je peux optimiser un peu ton programme, tu fais le mec qui aide et tout sans se la péter, genre, je sais mieux faire que toi. Mais à nouveau, moi, je pense que la taquinerie, ça peut être marrant. Parce que si toi, t'as remarqué qu'elle était là tous les jours, elle a aussi remarqué que t'étais là tous les jours. Ah, oui. Donc, tu peux lui faire une vanne en mode, écoute, si tu me suis, Non, mais c'est ça. Il faut juste que tu te lances. Après, c'est à toi de savoir ce que tu vas faire pour ton premier pas. Tu vois? Mais il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités. Et il y a encore aussi plein de messages. On écoute. Je pense que la bonne manière d'aborder une fille en salle de sport, ce serait de l'observer, de voir un mouvement pour lequel elle galère et d'aller l'aider. Genre, peut-être elle est en train de porter les haltères et le mec vient pour l'aider à soulever. Moi, je dirais qu'il aille la voir durant un exercice ou quoi et qu'il lui demande en fait... Ah ben que tu fais quoi comme exo, qu'est-ce que tu cherches par exemple en venant à la salle, voilà vraiment une discussion sans être lourd ou de dire juste oh toi t'es mignonne. Ouais c'est ça, faut pas parler du physique, mais faut faut aborder la conversation de façon bien. Et il y a un autre truc, tu vois. Alors autant moi j'ai pas la salle de sport, mais j'entends plein de gens qui parlent de tu prends quel prot, machin, quel genre de produit. Et ben pourquoi pas te lancer sur un truc comme ça. Je sais pas, est-ce qu'elle prend des shakers, est-ce que t'as l'impression qu'elle prend des trucs ou pas. Enfin, tu vois, ils s'intéressaient finalement. Enfin, à nouveau, hein, Max, vous avez la même passion, mais vraiment. Ouais. Et il y a justement, je te le disais, Natacha qui est coach, qui a envoyé un message et je veux bien entendre son avis. Le meilleur conseil, c'est qu'il n'aille pas l'aborder parce que sinon il va être direct catégorisé comme un gros lourd. Parce que quand tu es une fille en salle de sport, tu es là pour t'entraîner. Ou sinon, tu es quelqu'un d'extrêmement complexé qui déjà est très mal à l'aise du regard des autres. Donc moi, le petit conseil que je peux lui donner, c'est un petit mot. Je pense qu'un petit mot, ça peut faire, ça fait toujours plaisir en mettant bien un petit PS, je n'avais pas envie de te déranger, etc. Ou peut-être l'option de lui écrire une petite lettre. Oui, franchement, moi, ça me ferait flipper, le petit mot. Après, je trouve ça mignon et tout, mais je me dirais, putain, le mec, il a pas osé venir m'aborder, il a pas de couilles, quoi. Il y a juste un Laria qui a une histoire, peut-être. Mais non, mais au-delà de ça, en fait, je pense que c'est vraiment le pire moment quand t'es là, complètement rouge, essoufflé, tout mouillé de transpire pour te faire aborder. Donc, moi, à la limite, je préférerais le petit mot si j'étais la nana. Le petit mot? Bah, grave. Bah, moi, je préférais autant que je sois en train de galérer, que le mec galère pas loin et qu'il me regarde en mode, putain, on en chie, hein. Franchement, demain, ça va piquer. Le petit mot, je lui dis, je dépose ça où? Parce que je vais pas arriver devant elle, lui donner la lettre et partir en courant. Bah, c'est ça. Si, avec un message d'idole, c'est ça. Mais non, top, ça. Mais attends, et après, si la meuf, elle voit un petit mot, que ce soit dans sa veste ou dans son sac, elle se dit, mais le malade, il a touché à mes affaires. C'est sûr. Ah, non, moi, je fais pas. Tu rentres plus en salle de sport. Qu'elle se change dans les vestiaires. Pardon? Ah, elle se change. Ah, bah oui. Bah, encore pire. Non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Maxime, si on récapitule, t'es déjà bien parti parce que t'as déjà un jeu de regard avec cette meuf-là. Maintenant, à définir si c'est un jeu de regard parce qu'elle te regarde, parce que tu l'observes, ou si parce que tu l'attires. Voilà. Faut pas que tu te prennes la tête. C'est sûr que le premier pas est toujours difficile, mais tu choisis juste le bon moment. La meuf, elle est pas là, le cul tendu, tu viens lui dire, oh bah, tu me plais bien. Voilà, tu choisis tes mots. Et surtout, moi, mon unique conseil, c'est de parler, de votre passion. À nouveau, vous êtes tous les deux en salle de sport, il y a bien un truc qui vous lie par rapport à ça. Et n'aie pas peur, lance-toi. Oui, c'est ça. Après, j'ai rien à perdre. Comme oui, c'est ça. T'as rien à perdre. Tu vas le faire, hein, on croit en toi. Oui, je le fais et puis je t'envoie un message. Et en effet, deux semaines plus tard, Maxime m'a envoyé un message. J'ai d'ailleurs le message audio que tu m'as envoyé, Maxime. On va l'écouter. Salut Alice. Donc voilà, moi, je suis allé voir la fille de la salle. Donc comme vous m'avez dit de le faire. Et puis, rappelle-moi pour que je te raconte. Donc, c'est vrai, t'as osé y aller, Max, en fait. Alors, oui, en effet, c'était très, très opportuniste. D'accord, alors raconte-nous. Alors, en fait, déjà, ça avait un petit. Enfin, après l'émission, je la voyais plus. D'accord. Donc, je me suis dit, ça se trouve, elle a encore une émission. Ah, peut-être. Elle a fui. Elle a changé de salle. Voilà. Et en fait, un soir, donc, je pars et tout. Et en fait, je la vois. Je la croise dans la rue. Et en fait, je vois, il y a quelqu'un qui la suit un peu plus loin. Quelqu'un qui la suit là, c'est bien. Non, mais une pote à elle. Ah, d'accord, parce que je me suis dit, le mec, il a fait le super-héros, tu sais, je l'ai sauvé dans la rue. Ok. Et là, je me dis, putain, vas-y. Donc là, tu vas pas la croiser, pas la regarder. Enfin, là, du coup, j'y vais. J'arrive vers elle, en fait. Et là, j'ai même pas le temps de parler. Et elle me dit, ah bah, c'est enfin, tu décides enfin à venir. Ah bah oui, tu m'étonnes. Je me dis, oh putain. Là, c'est le moment. Et en fait, elle me laisse même pas le temps de parler. Elle me dit, oui, là, j'ai ma pote là-bas. Elle t'a remarqué depuis un petit moment. En fait, j'ai essayé de te regarder, de t'envoyer des signaux pour que tu viennes me voir et que je puisse t'en parler, enfin, parler d'elle. Et donc, il y a sa pote en question qui arrive. Et donc, elle enlève son masque. Et là, mais vraiment incroyable. La meuf, mais magnifique. Ok, attends, alors. Donc, en fait, il y avait deux copines. C'est ce que tu nous avais dit, de toute façon, qu'elle était souvent avec une copine à elle. C'était pas elle, en fait. C'était une autre. D'accord. Ouais, elle était souvent avec une copine, en tout cas. Et là, il y avait une copine qui était là.
toi, au moment où tu décides de l'aborder, elle te dit ah bah ça tombe bien que tu m'abordes parce que t'es un peu le crush d'une de mes potes, et du coup elle te présente sa pote qui finalement est un canon, quoi. Voilà. Mais sur le coup, je me suis dit oula, c'est bizarre, parce que là c'est des sacrés tarés, donc ça se trouve c'est un plan bizarre pour me foutre la honte. Donc je me dis soit je pars sur ma mission de départ où je veux que elle, ou je tente le coup avec sa pote qui était vraiment vraiment belle, beaucoup plus qu'elle. Ah oui, donc là, okay, d'accord. Donc c'était pas vraiment un coup de cœur pour la meuf de la salle de sport, c'était juste la meuf est bonne, je sais pas comment l'aborder, et finalement il y a une meuf que tu trouves plus ton style, donc l'autre c'est bon allez ciao, toutes ces semaines de eye contact pour rien, juste pour me rapprocher de ta pote, quoi. En gros, t'as résumé l'histoire. D'accord. Donc t'as été vers celle qui t'a tiré le plus physiquement. Bah, du coup, je me suis dit, autant tenter. Donc, du coup, en fait, je l'avais déjà vue vite fait. Mais bon, elle avait son masque. Et puis, bon, j'étais dans ma séance. Du coup, voilà. Puis, je m'en foutais parce que j'avais une autre cible. Ouais. Et en fait, elle m'a passé son numéro et tout. Et en fait, elle est vraiment hyper intéressante. Et en fait, elle recherche exactement comme moi. C'est-à-dire qu'on sort tous les deux d'une longue relation et elle veut juste s'amuser. Ah oui, en fait, mais tu me l'avais pas vendu comme ça la première fois, hein. Parce que si j'avais su que je te donnais des conseils pour comment juste pécho sans lendemain une meuf dans la salle de sport, franchement peut-être que j'aurais été plus avec plus de pincettes. Mais ok, mais non, elle recherche la même chose. Comme je te dis, c'est opportuniste. Oui, c'est d'accord. Qui arrive et puis voilà. Ouais. Et du coup en fait elle est de passage dans la région et enfin elle a fait ses études là et elle repart chez elle quand elle a fini. Et en fait, du coup, je la reverrai quasiment pas, en fait. Donc, oh, bah oui, pauvre Maxime, enfin. Oh, alors, il faut tout de suite y aller. Tu vas pas passer à côté de ça. La semaine prochaine, il y en a une autre. Affaire. Bon, donc, tu la vois la semaine prochaine? Oui, je pense qu'on va pas. Ouais, je pense qu'on va pas réviser. Je pense qu'on va travailler un petit peu d'anatomie. D'accord, donc, t'as prévu de pécho la meuf de la salle de sport. Et du coup, la première, non, plus rien. Fini. Bah, la première, on verra. Putain, Maxime. On verra après. Toi, t'es comme ça, toi. Tu te prends pas la tête. Hein. T'écoutes ton corps. Ouais. Je vais pas dire ton cœur, là. Profiter de la vie. Hein. Ah, bah oui, non, mais t'as raison, profite. Hein. En tout cas, eh ben, tu t'es pas pris de râteau. Et je suis quand même bien contente, tu vois. Bah, j'ai eu chaud parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est un plan des deux pour tester si j'étais vraiment. Bah, tu sais pas, hein, t'as pas encore Ken, Maxime. Tout est possible. Bah, ça se trouve, je vais arriver, il y aura trois mecs qui vont m'attendre. Eh ben, si c'est ça, Maxime, tu connais mon numéro, tu m'envoies une note vocale et tu me racontes ce qui s'est passé. Envie, du coup. Ah, mais non, mais je veux. Mais si, non, mais Maxime, attends, si c'est ça, tu me dis et je géolocalise ton téléphone. Tu sais, vu que moi, je vous ai maintenant, on peut faire une application comme ça, on se géolocalise et puis je vois où vous êtes à tout moment, hein? Et puis tu viendras en courant, c'est ça? Oui, non, mais non, j'enverrai Coco, tu penses bien. Moi courir, Maxime, on se connaît pas encore assez, j'ai l'impression. Hein. Il va falloir qu'on papote un peu plus sur le WhatsApp. Hein. Envoyer Coco, ça me rassure un peu moins pour le coup. Oh ouh là là, ouh là là, Coco, je sens qu'il va. Hein, putain, je l'ai bien, Maxime, ça fait yesh. Il va vouloir récupérer ton numéro de téléphone pour régler ses comptes. Bien, fatigué bien, comme on dit. Moi, je pense que t'as raison, Maxime. De toute façon, c'est toi qui vas à la salle de sport tous les jours et pas Coco, donc j'aurais plus peur de toi que de Coco. Je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps de m'envoyer ce message vocal. Et tu me tiens au courant, je veux savoir ce qui se passe avec la meuf. Hein. Ok. Bah, merci la famille. Merci à toi, je te fais des gros bisous, puis à très vite, Max. Gros bisous, à plus, bonne soirée. Salut. Salut. Dans quelques instants, restez bien avec nous. On va enfin en savoir plus sur cette histoire de rêve chelou avec Shamila. Je fais un rêve très récurrent en ce moment. C'est le fait de tomber enceinte de ma cousine. Alors, tu peux faire ce genre de rêve un peu chelou une fois, mais quand ça commence à devenir récurrent, ça me paraît quand même un peu chelou. Justement, on va appeler Shamila en direct, on va en parler. On va parler aussi justement de tous vos rêves un peu bizarres. N'hésitez pas, vous m'envoyez ça en message audio au 06 30 06 66 66. Et puis Coco, il va quand même nous trouver quelqu'un. Hein. Nous mais trouver quelqu'un pour décrypter les rêves. Ouais, mais je crois que j'ai trouvé quelqu'un. Eh ben, tu vas trouver quelqu'un, t'es sûr, hein? Sûr. Non, parce que quand Coco il dit je crois, je pense, on n'est pas sûr. Pas sûr, hein. En tout cas, on en reparle dans quelques instants et on revient avec Anita et Cardi B sur Fun Radio. On l'aime ce son. Ah oui. Je vois Coco là, il est déjà chaud. Enfin, je dis ça et c'est moi qui danse le plus. Allez, à tout de suite sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Une heure en toute intimité avec Alice. 21h, 22h. C'est la story d'Alice. Dans Love in Fun. Sur Fun Radio. Encore un truc qui va passer dans la hotline de Justin. Ah oui. Non mais c'est vrai, hein.
Tous les mercredis, retrouvez la séquence de Justin. C'est la hotline de Justin. Ça se passe justement dans la suite de Love in Fun entre 22h et minuit. Ouais, c'est tous les mercredis. En fait, Justin, il répond finalement à toutes vos questions. D'ailleurs, on a créé un groupe pour ça sur mon WhatsApp, ouais. Le 06 30 06 66 66. Vous m'envoyez un petit emoji téléphone si vous voulez faire partie du groupe de la hotline. Et en fait, vous parlez qu'en message audio et vous décryptez tout ce qui se passe à l'antenne. C'est-à-dire que vous réagissez au sujet, mais vous parlez aussi beaucoup des bugs, des bafouillages, hein, des animateurs. Et je sais pas pourquoi, mais moi je pense que ça pourrait durer très longtemps. Ouais, juste mais c'est surtout, c'est assez embêtant que ce soit le nom de la radio que t'arrives pas à prononcer. Ouais, c'est bizarre, pourtant Fun Radio, ouais, je sais pas. Par moment ça fait des bulles de bave, wow. Et ça ne veut pas se prononcer correctement. Justement, Shamila, sauve-moi. T'es là, Shamila? Oui, je suis là. Allô? Oui. Tu nous entends bien, c'est bon? Oui. Ça y est, t'es prête? Ah non, t'es pas prête, Shamila. Oui, tiens, la chasse d'eau. Mais t'es où? Tu fais quoi? Tu fais caca? Non. Mais t'as le droit, hein, tu sais. T'étais en train de faire quoi? Je suis en train d'intervention. Une intervention? Une intervention. Quel genre d'intervention? Les chirurgiens. Ouais. Je fais... Ah, si ça te fait chier, tu me dis, hein. donc... C'est pour le travail? C'est une intervention Oui, c'est ça. Ah d'accord, et tu préfères pas en parler. Ok, d'accord. C'est pour le travail, intervention, Shamila, on passe à autre chose. C'est pas pour ça justement que je t'ai appelé. Je t'ai appelé parce que tu m'as envoyé ce petit message audio. Je fais un rêve très récurrent en ce moment. C'est le fait de tomber enceinte de ma cousine. Alors, c'est quand même un rêve pas banal, Shamila. Donc, est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça se passe, ce rêve? En fait, le rêve, c'est... Je rencontre ma cousine et je me sens mal. Je vomis dans les toilettes. Elle me dit, en plaisantant, j'étais peut-être mise enceinte. Et du coup, quand je regarde mon ventre, je vois trois mains bouger dedans. Du coup, je me dis, mais waouh. Quand je me réveille, j'ai mal au ventre, mais c'est pas possible. J'ai une angoisse. T'as peur de tomber enceinte de ta cousine, Shamila? Non, parce que, au cas où. Est-ce que t'as peur de tomber enceinte? Ça, je sais pas. Et t'as quel genre de rapport avec ta cousine? On est très fusionnels. On était très fusionnels quand on était petites. Ouais. Ouais. Et maintenant, plus trop, quoi. Maintenant, on est fusionnels, mais pas autant qu'avant. Bon, c'est surtout que tu nous dis que c'est un rêve récurrent. Tu l'as fait combien de fois, ce rêve? Ça fait un bon bout de temps que je le fais. Ça va faire un mois ou deux. Un mois ou deux que tu fais à chaque fois ce même rêve où tu tombes toujours enceinte de ta cousine de la même façon. C'est genre, t'as mal au ventre, tu vas vomir, elle te dit, dis donc, je t'ai peut-être mis enceinte. Et là, tu regardes ton ventre, tu fais, oh putain, c'est vrai? C'est juste ça. C'est ça. C'est un truc de fou. Justement, j'ai posé la question à tout le monde sur mon WhatsApp si vous avez déjà fait des rêves un peu chelous. On écoute le rêve de Manon. Alors moi, un jour, j'ai fait un rêve hyper réaliste. C'est-à-dire que le matin, mon mec, je l'entends re-rentrer dans l'appart. Et puis je me lève genre 10 minutes après dans mon rêve et je le vois au salon avec une meuf sur le canapé en train de se faire des bisous, des câlins et tout. Et du coup, je pète ma tête et je commence à me battre avec la meuf, à me battre avec mon mec et tout. Puis je me réveille, j'étais trop dans le mal et je lui ai fait la gueule toute la journée jusqu'au lendemain. Mais ça arrive souvent, ça, quand t'es un peu... Mais quoi, bien un truc de meuf? Elle a fait la gueule alors que le mec, il avait rien fait du tout. Non mais attends. Elle lui a fait la gueule. Oui, mais ça t'est jamais arrivé de faire un rêve comme ça avec ta meuf qui fait quelque chose et ça t'énerve? Jamais? Non. Mais pourquoi? Tu rêves pas? Le mec est fort, le mec de la première fille qui est passée. Il a réussi à lui faire croire que c'était un rêve, tu vois. Mais non, mais n'importe quoi. Il lui a mis un coup sur la tête, elle s'est endormie et elle est partie au lit, quoi. Mais ça arrive souvent quand même quand t'as des peurs comme ça, des craintes. Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'imaginer que mon mec me trompait et après j'étais vraiment, vraiment énervée contre lui. C'est vrai, tu te réveilles. Enfin, t'es pas énervée, tu l'engueules pas. Mais au fond de toi, il y a un truc, qui bloque. On écoute le rêve de Ludo. Mon rêve à moi, c'est que j'ai baisé avec une cousine à moi et que 2 jours après, elle est tombée enceinte et elle a accouché. Ah bah tu vois Shamila, c'est exactement comme toi finalement Ludo, enfin exactement comme toi. Non, parce que toi tu rêves pas que tu couches avec ta cousine, alors que Ludo lui, il rêve qu'il couche avec. On écoute le rêve d'Anna aussi. Je rêve que chaque journée, je la recommence tous les jours.
Ça doit être insupportable. Il y a un film là-dessus qui s'appelle Happy Birthday. En fait, elle meurt, et à chaque fois, elle se réveille jusqu'à temps qu'elle trouve qui était le meurtrier. Il y a Un jour sans fin aussi, qui est un peu plus connu, mais qui est dans un autre délire, parce que la personne ne se fait pas tuer à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est ce même genre de truc. Toi, t'as un rêve un peu récurrent comme ça, Coco, Moi, c'est un truc genre, en fait, je suis avec des potes, on est dans un jardin, ce qui n'arrive jamais, tu vois. Et à un moment donné, un pote, il arrive en courant, et on se casse tous, et on passe par-dessus une balustrade en aluminium, et je sais pas pourquoi, il y a un chien qui me course. Et je peux pas accélérer. Genre, je peux pas courir vite. Et le chat, à chaque fois, je suis là, je galère dans mon rêve. Je me vois, je fais. Et j'arrive pas à accélérer. Et tous mes potes, ils partent trop loin. Et moi, je suis à l'arrêt. Mais il y a souvent des rêves comme ça où tu veux courir, tu veux t'en sortir, t'y arrives pas. Ou alors, par exemple, t'es hyper énervé. Comme disait justement Manon tout à l'heure, elle veut taper la meuf. Moi, ça m'est déjà arrivé de vouloir taper une meuf, mais j'arrivais pas à la taper. Et elle me regardait, elle rigolait. Et c'est comme si j'avais des bras en mousse et que je lui caressais le visage, tu vois. Mais c'est assez bizarre. On écoute le rêve de Noémie. Moi, c'était après une rupture avec mon copain actuel, enfin, compliqué. J'ai rêvé que je poursuivais son ex et lui pour les égorger. Voilà. Ah oui, non, bah ça c'est. Oui, non. Je pense que la signification du rêve est assez claire. Ah oui. Hein. De toute façon, c'est ça. Parfois, tu sais pas trop ce que ça signifie, mais parfois, c'est hyper clair. Par exemple, là, pour Shamila, je sais pas ce que ça peut signifier. Ah, c'est pour ça, Shamila, que Coco nous a trouvé quelqu'un, Aline Magnien. Ouais. Qui est capable d'interpréter les rêves. Et dans quelques instants, elle va essayer d'interpréter ton rêve avec ta cousine qui te met enceinte sans contact physique en plus. Hein, t'as bien de la chance. Sans pénis, okay, c'est fort. On fait ça ? Ouais. On va enfin tout savoir. Hein. Ça se trouve, c'est une angoisse qui vient de hyper longtemps. On sait pas. Et si vous aussi, vous voulez réagir et me raconter vos rêves insolites, ça se passe en message audio sur mon WhatsApp 06 30 06 66 66. On revient juste après Anita et Cardi B. La story d'Alice, c'est un WhatsApp où on parle ensemble toute la journée. 21h, 22h, c'est la story d'Alice dans Love in Fun sur Fun Radio. Je reçois des messages sur mon WhatsApp, le 06 30 06 66 66, qui me disent « Mais est-ce que tu as Instagram ?» Bah, oui. Évidemment. Non mais ça va, évidemment. Ouais, c'est quoi c'est mon Insta ? Alice Totino. Comment t'écris Totino ? Totino, T-O-T-I-N-O. Et d'ailleurs, voilà. Félicitations Coco, merci. Parce qu'aujourd'hui j'étais faire un petit tour sur l'Instagram de Coco et il a passé un cap, voilà. Il a passé une barre de followers et je suis très fière de toi mon Coco parce que ça y est, c'est incroyable ça. Hein. Ah bah il y a du monde qui me suit maintenant. En fait je vais tout simplement vous dire la vérité, c'est que Coco est en guerre de followers avec sa meuf, tout simplement. Sa meuf est sur Insta, lui il est sur Insta et ils veulent en fait, voilà, c'est celui qui aura le plus de followers alors que finalement, ça sert pas à grand chose. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle en a beaucoup par rapport à moi. Et toi, t'en as encore plus, mais là, c'est une autre compète. Je dirais pas combien, vous irez voir sur Coco Fun Radio, ça se passe sur Instagram. Allez faire un tour sur le mien, Alice Totino, et surtout, allez faire un tour sur l'Instagram de Love in Fun, l'Instagram de Fun Radio. On vous publie très régulièrement plein de photos, plein de vidéos. Est-ce que Shamila est là ? Shamila ? Allô ? Shamila ? Parce que tout à l'heure, on essayait de là, lui parler pendant le titre, et puis au final, je crois qu'elle parle avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle est en intervention, peut-être on ne sait pas. Mais elle, tu sais quoi, raccroche et on la rappelle. On va la rappeler. Parce que c'est vrai qu'elle est. C'est vrai que Shamila, en fait, tout simplement, Shamila, elle m'a envoyé un message audio pour me parler d'un rêve récurrent qu'elle fait en ce moment, un rêve un peu insolite, et elle nous a envoyé ce message, justement. Je fais un rêve très récurrent en ce moment, c'est le fait de tomber enceinte de ma cousine. Voilà, donc très bizarre, on en a parlé avec elle il y a quelques minutes et on lui a proposé de faire une sorte d'interprétation de rêve avec Aline Magnien qui est justement avec nous. Aline, tu es là ? Oui, je suis là. Bon bah super, Aline est avec nous mais on a perdu Shamila. Oh. Bon, il faut savoir que Shamila, elle était au boulot. Enfin, on sait pas trop quoi, elle a été assez mystérieuse par rapport à ça. Elle nous a dit qu'elle était en intervention, mais on ne sait pas exactement de quoi. Donc ce que je te propose, Aline, t'as entendu finalement le rêve de Shamila, toi ? Oui, j'ai entendu le rêve de Shamila. Et tu en penses quoi par rapport à tout ça ? Alors toi, Aline, quelle est justement ta profession ? J'interprète les rêves. D'accord. Mais là, c'est vrai qu'en fait, il y a plus de détails que le simple fait qu'elle soit enceinte de sa cousine. Mais bon, c'est ça qu'on va voir, en fait. D'accord. On va essayer justement de joindre Shamila, qui malheureusement, vu qu'elle était au boulot, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Shamila donc nous disait que lors de son rêve, en fait, elle avait des douleurs au niveau du ventre et elle avait des nausées. Elle allait vomir justement dans les toilettes et il y avait sa cousine de qui elle est assez proche qui lui disait « Mais j'espère que je ne t'ai pas mise enceinte ».
et que finalement elle regardait son ventre et elle se rendait compte que elle était bel et bien enceinte de sa cousine. Alors même si malheureusement Aline Chamila n'est toujours pas avec nous pour l'instant, est-ce que éventuellement on pourrait avoir ton interprétation par rapport à ce que tu as pu entendre sur ce rêve? Et puis si c'est pas suffisant et que tu as besoin de plus de détails, moi je te raconterai mon rêve récurrent sans problème. Non mais disons que moi j'ai besoin quand même de discuter un peu avec la rêveuse, parce que moi sa cousine, je sais pas comment elle est. Et je sais pas, bon elle a dit qu'elle était assez fusionnelle avec c'est elle. C'est ça. Mais ça me dit pas plus sur sa cousine et sur ce que vit Chamila en ce moment. Mais comme ça en surface, selon toi ça voudrait dire quoi? Si elle est enceinte de sa cousine, c'est que elle est en train il y a quelque chose qui mature en elle pour accoucher des qualités de sa cousine. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a sûrement sa cousine possède sûrement des qualités qu'elle-même n'a pas sûrement, donc qu'elle doit acquérir, ou alors enfin ça dépend, ça peut être positif ou négatif. Je veux dire, sa cousine, c'est pour ça que c'est important de savoir qui est sa cousine, comment elle est. Et malheureusement, Chamila va accoucher finalement. Chamila n'est toujours pas avec nous, mais ce que je te propose, Aline, c'est que il y a Coco qui est avec moi et qui lui fait justement parfois le rêve où il se fait courser par un chien et il n'arrive pas à s'en détacher. Ouais. J'imagine que c'est le genre de rêve assez récurrent pour certaines personnes, cette notion un peu d'impuissance, que ce soit lié ou matérialisé par un chien ou par autre chose. Et tu en penses quoi? Du coup, Coco, il peut répondre à toutes les questions que tu veux. Oui, il faut voir déjà qu'est-ce que c'est comme chien. Ah, c'est un gros chien, il a un collier, toujours il a un collier lui. Il a un collier, oui, donc il appartient à quelqu'un. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression qu'il s'est échappé, comme s'il y avait une laisse qui traînait derrière. Ouais, d'accord, ouais. Et donc, il est agressif? Ah ouais, il est agressif, mais quand il mord, je sens pas, par exemple. Ah bon, alors apparemment, Chamila vient de revenir. Ah, ça marche. Ça part dans tous les sens, Aline, désolée. Il peut venir dire justement qu'il s'agit de mordre dans votre vie, dans ta vie, c'est-à-dire le chien qui vient vers toi, c'est un instinct. Et c'est justement peut-être que t'es trop gentil et que t'as besoin de mordre. Oula. Oh, je suis d'accord. Il a besoin de mordre, mais je suis pas sûre qu'il soit trop gentil. Hein. Mais en tout cas, Aline, Aline. Par magie, Chamila est à nouveau parmi nous. Chamila, t'es là? Oui, je suis là. Bon, alors justement, parce qu'on a appelé Aline quand même pour toi, pour interpréter ton rêve. Et là, elle voulait justement te poser un peu plus de questions pour réussir à plus décrypter ce qui se passe dans ton rêve récurrent. Donc, Aline, je te passe Chamila. Oui. Bonjour Chamila. Oui, bonjour. Oui, donc je voulais savoir, ta cousine, elle est comment en fait? Tu peux me donner des caractéristiques, son caractère? Elle a une forte caractère. Elle a un fort caractère? Ouais. Ouais. Et la différence avec toi, tu es comment, tu dirais plutôt? Un peu plus discrète. Oui. Ouais. Parce que, donc, elle, avec son fort caractère, qu'est-ce qu'elle fait particulièrement? Je la trouve forte. Elle mord la vie en plein dedans. Enfin, elle se fout des avis des gens. Enfin, voilà. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que tu es en train de devenir comme elle, en fait. Ah. Tu es en train d'épouser ses qualités. Parce que, en fait, quand tu as mal au ventre et envie de vomir, c'est quand tu la vois ou c'est avant de la voir? Dans le rêve ou... Oui, dans le rêve, bien sûr. En fait, c'est quand j'ai regardé mon ventre que j'ai eu mal au ventre. Oui, donc tu regardes ton ventre, mais je veux dire, ta cousine, elle apparaît à quel moment dans ton rêve? Au moment où je vais vomir dans les toilettes. Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose dans ta vie qui te fait vomir, que tu supportes plus, et à ce moment-là, eh bien effectivement, tu es en train d'acquérir la force de ta cousine, parce que c'est D'accord. comme ça que tu pourras te défendre et devenir forte, et peut-être moins effacée, je sais pas, moins discrète. Elle l'avait vu tout de suite hein, quand même, Aline, hein, finalement, hein, parce que Chamila, t'étais pas avec nous justement, ton téléphone s'était coupé, t'étais au boulot, c'est pour ça, Chamila. Ouais. Et au final, Aline, elle avait vu tout de suite que finalement, il y avait des qualités que tu appréciais beaucoup par rapport à ta cousine et que tu aurais aimé posséder. Et finalement, c'est un peu ça que Aline est en train de nous décrire. Et c'est fort, hein? Oui. Ouais.
Donc après, bon, après on pourrait creuser pourquoi bon ce mal de ventre et cette envie de vomir, donc ce vomi que tu vas vomir. Donc faudrait voir par rapport à ta vie, qu'est-ce que tu vis et qui te donne envie de vomir, quoi, que tu rejettes en fait. Ah ouais, là c'est vachement plus profond. Est-ce que Shamila, tu veux que je te passe Aline un petit peu hors antenne pour finir justement par rapport à savoir ce qui te fait vomir? Je sais pas, ça c'est un peu rapide ici. Bah oui, c'est forcément. Ouais, ça serait bien. Et ben dans ces cas-là, je vous laisse toutes les deux hors antenne, les filles. Aline Shamila, Aline Magnien, qui est également sur Facebook. Ouais. Franchement, merci beaucoup, Aline. On n'hésitera pas à te rappeler si on a besoin de décrypter de prochains rêves. Merci pour ton temps. Et Shamila, et ben à bientôt. À bientôt. Bon courage pour le boulot. Merci. Je te fais des gros bisous. Merci. À très vite. Allez, on vous laisse toutes les deux hors antenne. Comme ça, Aline va raconter la suite à Shamila. On va savoir ce qui finalement l'a fait vomir. Apparemment, c'est quand même fort. Hein. C'est vrai que, ouais, que la nuit, tout ce qui se passe dans nos rêves, bah, ça retranscrit ce qui peut se passer dans nos journées, que ce soit nos angoisses, que ce soit tout ça, nos peurs, nos rêves, tout simplement. Et dans quelques instants, on va répondre à une question de Dari. Dari veut poser une question à toutes les meufs de mon WhatsApp. Salut Alice. J'ai besoin de ton aide et celle de la communauté pour comprendre les femmes. Est-ce que vous avez des moments préférés pour faire l'amour ou au contraire des moments que moins ou vous préférez pas la faire? Alors les meufs, c'est le moment de se lâcher en message vocal sur mon WhatsApp au 06 30 06 66 66 pour répondre à Dari. Finalement, est-ce qu'il y a un moment de la journée, les filles, où vous préférez faire l'amour et au contraire, s'il y a des moments où vous ne supportez pas le faire? Moi, je sais que je suis pas trop team du matin ou alors éventuellement juste en cuillère. Hein. On va en parler dans quelques instants. Restez avec nous. En plus, on va revenir avec un classique, notre classique Fun Radio de la soirée. C'est Likili avec I Follow Rivers. La story d'Alice dans Love in Fun. Encore quelques minutes en toute intimité avec moi sur Fun Radio avant l'arrivée de Karel et Doc dès 22h. La story d'Alice. C'est un WhatsApp où on parle ensemble toute la journée. 21h, 22h. C'est la story d'Alice dans Love in Fun sur Fun Radio. Ajoutez-moi vos contacts sur WhatsApp. Mon numéro, c'est le 06 30 06 66 66. Et puis, envoyez-moi vos messages audio. Posez-moi toutes vos questions. Vraiment, on parle de tout. Mais toute la journée, le moindre truc, hein, parfois, c'est vraiment des conneries. Vous me posez des questions sur « Ah bah, en ce moment, je fais ça en cours. Est-ce que toi, tu l'as déjà fait ?» Ou « Ah bah, j'ai un poème à apprendre. Et ben, je te le récite en note vocale. » Ah bah, est-ce qu'il y en a qui te demande des devoirs? Des devoirs. Ouais, genre aide-moi sur mon DM ou je parle. Ah oui, mais oui, ça m'était arrivé même qui est Vivaldi, qui est ci, qui est ça. Je deviens Google en fait, clairement. Vous faites même plus chier en fait à démarrer. En fait, je suis un peu votre Siri. Tu sais, ouais. C'est OK Alice, dis Alice, est-ce que tu peux me dire qui est Vivaldi? Est-ce que tu peux me dire qui est machin? Et je fais des recherches pour vous. Hein. Non, mais c'est vrai, franchement, je veux bien vous aider à faire vos DM, mais seulement si vous mettez aussi mon nom. Hein. Ouais, bah, parce que ça, c'est sûr. Un truc que j'ai pas supporté quand les gens avaient des bonnes notes grâce à moi et que t'as un peu de reconnaissance quand même. Quand on même, l'a fait à deux. Peu, merde. C'est la moindre des choses. Enfin, Coco, il dit ça, mais. Hein. Bah, j'ai jamais triché, moi. T'as jamais triché? Jamais triché. Bah, à encore heureux, t'as. Bah ouais. Encore heureux que t'aies pas triché, parce que quand on se tape des sales notes et qu'en plus on triche. J'étais juste très mauvais en dictée. Voilà, en dictée. En tout cas, Dari, lui, je sais pas s'il était bon en cours ou pas, mais en tout cas, il se pose des questions sur les meufs et il pose une question à toutes les meufs de mon WhatsApp. On écoute. Salut Alice, j'ai besoin de ton aide et celle de la communauté pour comprendre les femmes. Est-ce que vous avez des moments préférés pour faire l'amour ou au contraire des moments que moins ou vous préférez pas la faire? Alors justement, il y a plein de messages de meufs qui sont arrivés sur mon WhatsApp par rapport à ça. Toi, Coco, à quel moment tu préfères faire l'amour en tant que mec? Moi, tout le temps. Moi. Franchement, tout le temps. Surtout quand j'ai bu un coup. Alors là, mon gars, ah oui, tu m'arrêtes pas. Non, non. Ah ouais. Et ta meuf, est-ce que t'as l'impression qu'il y a des moments où elle est plus excitée que d'autres? Le matin, elle déteste. Et le soir, parce que tu sais, comme je rentre, quand elle dort, faut pas que je la réveille, quoi. Ah bah non. Mais elle déteste le matin. Elle aime pas trop le matin, non. Donc t'es en train de nous dire qu'elle aime ni le matin ni le soir. Ouais. Bah, c'est d'accord. Pour ça, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Donc bah ouais. Non, mais elle aime bien, c'est, mais c'est sympa. Moi, si elle me dit non, direct c'est non, tu vois. Genre en mode, elle est vénère, quoi. Bah oui, mais en même temps, quand elle te dit non, Coco, oui, c'est non. Ouais, c'est, c'est la moindre des choses. En tout cas, sur mon WhatsApp, il y a la team matin qui s'exprime. Alors pour ma part, c'est le matin. Je trouve que ça met dans un bon mood pour toute la journée. Alors du coup, moi ce que je préfère, c'est le matin. Quand on se réveille, voilà, c'est pas mal. Moi c'est souvent soit le matin, soit l'après-midi, là, comme ça, comme le dimanche après-midi et tout. Mais quand je suis au calme, quoi. Moi perso, le matin, c'est pas ce que je préfère. Je suis vachement plus excitée le soir. Mais bizarrement, je trouve que je sais pas. Quand il se passe un truc le matin...
En gros, physiquement, j'ai peur parce que je vais peut-être me faire censurer par la prod. Mais parce qu'il faut savoir que oui, attention, j'ai Maxime qui a la prod qui me censure quand je dis des gros mots ou que je vais un peu trop loin ou quoi que ce soit. Et en fait, même si moi je préfère le faire le matin, j'ai l'impression j'ai l'impression que je mouille quand même beaucoup plus le matin. Oh, on n'a pas été censuré. Mais non, mais ça va, le mot mouille, c'est trois fois rien. Voilà, ça fait des bulles. Il a dit c'était à deux doigts. Bah oui, voilà. Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression que mon corps est plus excité le matin. Mais par contre, genre, je me vois pas missionnaire, machin, bouger dans tous les sens, t'as la tête dans le cul et tout. Attends, le matin, c'est quoi? Le matin, c'est 11h midi, Alice? Non, mais c'est au réveil. Au réveil. Bah au réveil. Ah non, réveil, tu pues de la gueule et tout. Non, je suis pas d'accord. C'est pour ça que je dis, à la limite, juste en cuillère. Ouais. Tu vois, tu te mets en cuillère et puis c'est, voilà, tu bouges comme des petits vers contre le matelas. Ouais, et genre c'est le pyjama juste aux chevilles, quoi. C'est pas hyper physique, quoi. Tu vois, on fait ça vraiment à la cool. À la couille, d'accord. Ah voilà, encore un truc pour la plaque de Justin, retrouvé mercredi dans la vie de fun. On écoute Carla et Choupi, tiens, c'est mignon comme nom. Les moments que je préfère, c'est vraiment les moments où bah, c'est pas du tout le moment. Genre, t'as tes invités qui vont arriver dans les 10 minutes, les 5 minutes. Et du coup, c'est ces petits moments où ça va prendre 2-3 minutes. Tu sais que tu vas rester sur ta faim, que tu vas être en chien toute la journée avec ça. Alors c'est bizarre, mais moi je n'ai envie que quand mon mec n'est pas là. Pour ma part, j'ai pas de moment spécifique, ça peut être à n'importe quel moment de la journée. Des fois ça peut même être au boulot, ça me prend comme ça, comme une envie de pisser en fait. Ces trois meufs là, elles me font un peu peur. Tu vois, ça peut être au boulot et puis il y a Carla aussi qui dit moi j'ai envie que quand mon mec n'est pas là. Tu sais. Mais pour l'instant, il y a pas la team soir. Je sais pas, moi je suis quand même hyper excitée le soir. Toi Justin, il y a un moment dans la journée? Bah pareil, c'est soir en fait, parce que je peux être grave excitée le matin, mais je suis grave c'est repoussé par les odeurs genre de transpi de la nuit, d'haleine, de trucs comme ça. Et puis donc la rigueur. Ouais, c'est ça, à la rigueur, des petits préliminaires, des trucs comme ça, mais sinon beaucoup plus le soir. Ouais, ouais, c'est vrai, moi je suis beaucoup plus soir. Il y a Manon et Mathilde, alors peut-être qu'elles sont de la team soir comme moi, on va écouter. Moi j'ai tout le temps envie quand je peux pas, public, en soirée et tout, genre c'est horrible. Puis je rentre chez moi, je suis là, j'ai la flemme. Je préfère le soir, parce que généralement je suis pas trop fatiguée et c'est là où j'arrive plus à mouiller, je ne sais pas pourquoi. Alors que le matin c'est un peu plus difficile et il me faut du temps pour réveiller ma minette, enfin moi je trouvette, donc voilà. La minette, la schtroumpfette, bah oui c'est vrai, on en parlait bah, justement parce que bah, je n'ai pas le droit vraiment de dire le mot chatte, mais je le dis quand même parce que Maxime n'est pas assez rapide pour censurer et du coup j'ai tendance à dire minette, schtroumpfette, voilà. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez d'autres mots à me proposer pour me censurer, vous me balancez ça en message audio. Comment vous appelez le sexe masculin et féminin pour que ce soit un peu plus mignon et moins familier, hein, plutôt que de dire une teub. Voilà. Donc dites-moi, ça se passe en message audio au 06 30 06 66. Ben voilà, j'espère que Dari qui était à l'écoute, qui pouvait pas passer ce soir, il a écouté toutes les réponses. Mais ben finalement, les meufs, ben ça dépend. Hein. Ça se trouve, tu vas être avec une meuf, elle sera à fond encore sur le matin, et un jour, tu vas être avec une autre meuf et elle préférera le soir. C'est justement ça. La beauté des femmes, la beauté des hommes. Encore, c'est pas quoi. De réponse simple, quoi. Mais c'est pas un oui ou un non, c'est toujours. Mais toi, dépend. C'est pareil, les mecs, il y en a qui préfèrent le matin, il y en a qui préfèrent le soir. Arrête de faire chier, ouais, coucou, il va m'énerver. Non. Heureusement, il y a Karel et Doc qui vont arriver pour me sauver. Coco reprend sa place au standard. Si vous voulez l'appeler, ça se passe au 01 42 48 5000. On se retrouve demain à partir de 21h pour écouter la suite des messages audio, parce que je reçois plein de messages sur mon WhatsApp et je vous les balance demain à partir de 21h. Mais en attendant, c'est Love in Fun qui continue jusqu'à minuit avec Karel et Doc et on écoute I Follow Rivers. Ah, mais alors, c'est pas maintenant qu'on l'écoute, j'ai cru que t'allais le balancer, Justin. Bah si, mais il est là, il est là. Ah, il arrive, c'est Like Ily sur Fun Radio.